Bonjour à tous. J'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Sanctuaire de Shao Yo. Toi qui as pénétré le sanctuaire, Shaoyo te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Attendre le bon moment. Essayer quand même. Ah, j'en ai plus. Topaz brut. Je récupère mes flèches, quand même pas beaucoup. Il y a quoi d'autre à faire? Est-ce que j'ai tous les coffres? Non. Donc il y a un autre coffre à trouver. Là-haut. Si ça fonctionne pas. Les cornes alors? Souviens plus. Arc du faucon. Il n'y a plus de place. Qu'est-ce que je... Oh bah celui-là, 14. C'était... Arc du faucon. Comment
j'ouvre cette porte déjà? Est-ce que j'ai tous les coffres? Oui. Il n'y a pas quelque chose en hauteur? Ah, là-haut. Là, je vais changer mes flèches. Voilà. Sanctuaire terminé. Triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe, ce symbole d'héroïsme, n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Ah oui, j'en ai 14. Surtout, faites pas comme moi. Si vous en avez besoin, que vous avez envie de le faire aussitôt, vous le faites aussitôt. C'est parce que moi, je continue ma route et je le fais quand j'y pense. Parce que pour le moment, en endurance et en cœur, c'est suffisant. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Mais je pense que je vais chercher les cœurs, des cœurs avant d'aller au boss final. Donc voir Ganon. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt !